dernière étape de notre entretien, c'est la vidange de la boîte hydrostatique. Donc pour la vidange, je me munis d'une clé de 12, je retire cette vis là et cette vis là. Je laisse vidanger ma boîte jusqu'à la dernière goutte, puis je remets mes deux vis. Et pour finaliser, le remplissage de la boîte qui se fait par ici, par ce bac. Petite astuce pour que la boîte se remplisse plus rapidement, je crée avec ma durite une pente, histoire que l'huile puisse couler facilement jusqu'à la boîte hydrostatique.